Bonjour à tous, bienvenue à ma quatrième vidéo de rasage. Aujourd'hui, rasage de la Saint-Valentin, le produit que je voudrais utiliser, c'est... Excusez-moi un peu. Aujourd'hui, on va utiliser le rase tatouf de Entrebulle et moi. Entrebulle et moi, c'est une savonnerie du Québec, Alma, opérée par Marilyn Tremblay. Comme vous pouvez voir, okay, l'étiquette s'en va parce que c'est un savon qui appartient à Madame L. Puis Madame L garde son savon de rasage dans la douche. Fait. Après quelques mois, ben, l'étiquette va commencer à décoller. Le savon, c'est un savon sans suif. C'est un savon qui contient beurre de karité, ensuite de la soie. La senteur du savon, c'est une senteur de framboise. Le produit, OK, est orienté vers les femmes. C'est une senteur plus féminine que masculine, mais ça sent très, très bon. Fait que j'ai décidé que, journée de Saint-Valentin, aussi bien de présenter le produit, qui sait, vous allez peut-être bien l'acheter pour votre Madame L. La brosse aujourd'hui, encore Razor Rock, OK, Monster, plus Soft Knot. Oubliez ça. Et on va loader notre savon, notre blaireau. Le savon sent très très bon. Puis c'est pas parce que vraiment là, le savon, là, Marilyn essaie de le vendre aux femmes que vous ne pouvez pas l'essayer. Okay? Si c'est bon pour des jambes, là, je suis certain que ça va être excellent pour la figure. Bon. OK. Chargez beaucoup. Vous l'appliquez à la figure. Ça va être super facile à mousser. Rien qu'une application d'eau, puis la mousse est très épaisse déjà. Regardez ça. Aujourd'hui, le rasoir que je vais utiliser, Mercure Future, ajustable, réglage 3. Les lames que je vais utiliser avec sont les Pole Silver. OK, Super Iridium. Très bonne lame, très coupante. Fait qu'on va y aller pour la passe numéro 1. J'adore ce rasoir-là. La combinaison lame et rasoir, là, aucun problème avec ça. Ça coupe très bien. Ensuite, j'aime beaucoup le son que le rasoir fait. Ce rasoir-là, il y a vraiment plusieurs avantages. Si vous pouvez voir la tête, là, comme la lame est complètement couverte par le couvert, fait que surtout quand là, vous faites le tour de votre nez, là, vous ne sentez pas la lame. Quand vous venez pas des oreilles, la lame ne touche pas vos oreilles.
lame est bien protégée. Ensuite, bon, comme c'est un ajustable, vous êtes capable, si vous aimez, si vous avez une barbe plus longue un peu, vous pouvez le mettre plus agressif. Si vous êtes un petit peu plus irrité, ben vous commencez à... Si votre peau est plus sensible un peu. Vous pouvez le descendre, okay, le mettre à 1, le mettre moins agressif. Savon, c'est très glissant encore. J'aime beaucoup. La senteur, c'est plaisant, c'est fruité, là, ok? C'est comme j'ai dit, des framboises. Bon, le premier pas, c'est terminé. Le rasoir est sur toi. Il n'est pas très agressif, OK? Il y a plus de barbe qui a été laissée en arrière que d'habitude, là, mais quand même, très, très belle passe. C'est très doux. Là, tu ne sentais pas la lame. Comme les Pearl Silver, quand je les mets dans mon 38C, ou même je les mets dans Super Speed, là, sont plutôt rough. Le Mercure Future là, a ça. Ça, c'est une des qualités de ce rasoir-là. Souvent, là, des lames qui sont moins bonnes un peu, vous les mettez dedans, là, puis d'un coup, là, c'est un tout nouveau feeling avec. Là, ils coupent beaucoup mieux, puis ils sont plus douces à la peau. OK, fait qu'on va, je vais m'emmouiller la figure, puis on va aller avec la passe numéro 2. OK, passe numéro 2, on va appliquer le savon à figure. C'est encore plutôt glissant, ok? J'ai rincé ma figure, mais c'est encore assez glissant. Entre Bulle et moi, Marilyn a plusieurs produits, ok? Ces savons là sont très bons. Moi-même, j'ai essayé le Vire Capot, le Ras Bucket édition Swift. Je crois qu'elle a un Ras Bucket qui n'a pas de Swift. Ensuite, dernièrement, elle a produit un Ras Bucket Mango Folly, encore au Swift. Ces savons sont à la bière. La bière Vire Capot, d'une microbrasserie locale à Alma, ou au lac Saint-Jean, là, je ne peux pas vraiment vous dire. Bon, fait que passe numéro 2, on va y aller d'en avant en arrière. Ça me coupait pareil. Le rasoir là, est vraiment lourd. C'est différent que si vous allez avec un mercure ou un autre des autres mercures ou un Gillette. Ou un vieux Gillette là.
Le savon est excellent. Vraiment, le... C'est vrai que le rasoir n'est pas vraiment là, très agressif aujourd'hui, mais c'est très, très doux pour la peau. J'adore, j'adore ces produits. Aussi, elle a fait des produits en coopération avec d'autres personnes. Le prince barbu en particulier. Ou je crois que c'est le seul, là. Mais ces produits-là sont très bons. OK? Ces savons, que ce soit au suif, que ce soit pas au suif. Comme ça, là, c'est pas un savon au suif, là. Puis vraiment, là, la protection que le savon donne. Est excellente. Ce qui m'arrive aussi, j'ai. Avec l'hiver, ma peau pas très belle, puis dans les derniers jours, on a une tempête de neige, j'ai passé les deux derniers jours dehors à pelleter, puis à nettoyer la neige. Là. Fait que la peau est plus sensible un peu. OK. Fait que, passe numéro 2, contre le poil, là. Très bien. On va finir ça avec passe numéro 3, rebousse-poil. Je me rince la figure, puis on recommence. OK, passe numéro 3. Appliquer le savon. C'est ça que j'adore des brosses synthétiques. La quantité de mousse qui reste après la troisième passe. Là. On se parle de la troisième passe. Fait que, ils sont imbattables. On peut pas... OK, troisième passe, rebousse-poil. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup ce rasoir-là parce qu'on l'entend. On entend quand le poil est coupé. Parfait. Fin de la troisième passe. Rasage très très doux. OK, bon, je me suis coupé un peu ici, mais j'ai été plutôt agressif.
Quand j'ai passé de dessus de mon nez, là, vraiment, là, j'avais pas le bon angle, puis ben, je me suis coupé. Ça arrive. Rosage très doux, la peau est très très douce. Combinaison, le mercure, mercure pour silver, là, excellent. Le savon. Le savon est super glissant, très très doux, là, ok. La senteur, c'est délicieux comme senteur, la framboise, là. Bon, fait que maintenant, je vais rincer ma figure, puis on va aller avec le bloc d'alun, puis en même temps, on va prendre soin de cette petite coupure-là. Ouais, comme vous pouvez voir, j'ai quelques irritations dans le cou, là, mais comme j'ai dit, ça fait 2 jours que j'étais à l'extérieur, puis comme hier, il faisait froid, on a eu 70 cm de neige hier. C'était plutôt ordinaire comme température. Bon. On va laisser la lingère un peu. Je vais laisser ma brosse durant ce temps-là. Les produits entre deux et moi, là, ok, vous pouvez les acheter, pas de problème, c'est vraiment des produits de qualité. Ils sont bons. Il n'y a pas moyen de les décrire autrement. Le rice bucket, encore une fois, Marilyn le vend surtout, bon, elle essaie surtout de le présenter pour, comme un produit de femme, mais. Vraiment, là, en figure, là, c'est très, très bon. Moi, je le recommande. Je reste la figure, puis je vous roule. Bon, l'anneau est terminé. Encore une fois, tailleuse au concombre. J'en ai une nouvelle bouteille qui s'en vient, mais à cause de la tempête de neige, ben, le camion de livraison ne pourra pas passer. Peut-être demain. Peut-être cet après-midi un peu plus tard. Voyez, l'anneau est très bien fait pour la coupure. Ça ne pue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser pour après rasage? Fahrenheit de Dior. C'est une senteur que Madame Elle aime beaucoup, comme c'est la Saint-Valentin, si bien mettre de quoi qu'elle aime. Puis moi aussi, je l'aime. C'est pas une senteur, c'est une senteur du début des années 90, puis c'est un très bon après rasage. Le seul problème avec cet après rasage-là, c'est que. Ça coûte les yeux de la tête. Ouais. Ça conclut le rasage aujourd'hui. Le rasage de Saint-Valentin. N'oubliez pas, allez chercher des fleurs si vous ne l'avez pas encore fait. Puis si vous ne pensez pas, là, allez chercher des fleurs. N'oubliez pas votre Madame Elle. Il n'y a rien qui coûte de lui raser les jambes ce soir comme ça. Un petit rasage romantique. On se revoit prochaine. Bye.